une bagaille que Rémé fait. L'oreme ou bail. L'oreme qui sont fait. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Qui ça le fait? Il a donné. Celui qui aime, donne. Et il y a un signe que nous montrer que nous aimons bon Dieu. C'est qui ça nous prêt pour nous bailler pour lui? Et le demande nous pour nous bailler, est-ce que nous prêts pour nous faire ça? Donc, matin, hein, rapidement, je voulais parler de la puissance de la dîme. Je voulais parler de la puissance de la dîme. Tout d'abord, on nous commence pour nous définir. Alors, la dîme qui en forme une gens que nous baille à bon Dieu. Qui une façon que nous baille. La Bible fait une déclaration dans le livre du Deutéronome. En allant Deutéronome chapitre 27, le verset 30. Deutéronome chapitre 27, le verset 30. Bon Dieu, une déclaration que le fait, pas Deutéronome, pardon, Lévitique. Chapitre 27, le verset 30. Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Bon Dieu fait déclaration ça. En nous toutes lits ensemble. L'idée qui ça, en nous toutes lits le fort. Qui ça le dit? Toute dîme de la terre, soit qui ça? Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui est-ce? À? Et puis l'idée qui ça, c'est une chose consacré à appartenir à qui est-ce? Appartient à qui est-ce? Appartient à qui est-ce? La Bible dit toute dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, qui ça le mot dîme signifie? Le mot dîme signifie 10%. Donc, l'Éternel dit comme ça, 10% de tout revenu que nous gagnons. Récolte. Vous consacrez récolte là? Récolte, c'est le travail. Ou travail pendant des mois, ou semer, etc. Ou planter, ou semer. Et puis, gros moment qui vient. Et puis, qu'on y a, ou joignez une récompense pour travail qu'on fait. Il y aurait les sacs qui ça, yon. Yon qui ça? Récolte, c'est récompense pour travail. L'Éternel dit comme ça, lorsque vous avez travail et vous avez une récompense pour travail, vous avez songé que 10% récompense là, récolte là, appartenir à moi-même. Ça fait ça. Parce que si vous avez oxygène pour travail, si vous avez intelligence pour travail, si vous avez force pour travail, si vous même jouez travail, etc., il dit comme ça, chaque jour levé ou à fonctionner, c'est moi-même qui bon force ça. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il dit comme ça, 10% de toute dîme, eh bien, il dit comme ça, là, appartenir à moi-même. Ok, maintenant, il y a une bagaille que nous avons besoin, rendez-nous compte, il n'y a pas dit comme ça que, il n'y a pas dit, regardez Lévitique encore, Lévitique 27, verset 30, li pa dit comme ça que roi va consacrer à l'Éternel. Li dit appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée. Anglais a dit it is holy. C'est une chose sacrée. C'est pas où qu'a consacré. Chaque temps où travaille et pour toucher sous fait $100, gain $10 dans $100 qui consacré, qui pour l'Éternel, qui holy unto the Lord, même si la soit 40 ou li sacré devant l'Éternel. Et l'on touche ou touché à quelque chose de sacré. Est-ce que l'église commence à m'a dit là? On nous dit sacré. Donc li sacré ou bien li consacré à l'Éternel. Maintenant, une clarification que me doit faire pendant m'a parlé de dîme. Est-ce qu'on remarquait que là, en nous retournant, que l'idée que ça, l'idée là,
Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, il dit à partir. Est-ce qu'on remarque qu'il dit toute dîme? Qui ça le dit? Toute dîme. Donc cela veut dire, quel que soit Jean, que c'est à travers récolte, que c'est à travers fruit des arbres, dans l'Ancien Testament, l'œil au monde par exemple, l'œil au tap fait récolte, la Bible dit comme ça que qu'on partit dans champ, la Bible dit comme ça que ou pas capable et moissonner, ou t'es obligé de quitter en cas que yon moun grand goût, li capable de joindre ni pour le capable manger. Donc, gagner que moun te joindre parce que yon te travail, yon te récolté, gagner son lot moun qui te baillou. Mais l'Éternel dit, quel que soit Jean passé, quel que soit Jean revenu en vini, quel que soit Jean ou gagné l'an, li dit comme ça, 10% appartenir à moi-même. Pour qui ça me prend temps pour m'expliquer ça? Parce que en pile fois me des monde dit comme ça, raison que femme pas bailler la dîme, c'est parce que me pas travail. Dîme c'est pas une question de travail. Dîme c'est une question de income. Ou quand ça income signifie? Income signifie what comes in. Ou que doit pas travail but something comes in. Gagnons income. Est-ce que ça fait sens? Ou gagnons pas travail, mais si yon moun ba ou, c'est yon income. Est-ce que tu comprends ça m'a dit là? N'importe bagay qui rentre, quel que soit j'en entre, c'est ça qu'elle dit tout dîme, soit des récoltes, soit du fruit des âmes. Quel que soit j'en entre, il dit 10% appartenir à qui est à? Dis-le fort, à qui est? Maintenant, je me pose une question. Puisque lui appartenir à l'Éternel, l'Éternel pas dit comme ça, si vous voulez ou avant moi. Si lui do tout ou avant moi. Si vous voulez faire un geste avec moi avant moi. Il y a une différence entre dîme et offrande. Offrande, c'est volontaire. Dîme, ce n'est pas volontaire. Dîme, ce n'est pas volontaire. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Non, lui-même, lui appartenir à bon Dieu. Maintenant, l'œil en bagaille appartenir à yon moun. En nous dit yon machine, et puis yon moun gade kote mette clé ya, et puis il prend machine en le courrier avec. Comment relèl? Comment relèl? Donc, en réalité, n'importe quoi pour un bagay qui pas pour vous, automatiquement, il faut yon voler. Dis mou, pas pour vous, li pou l'Éternel. C'est ça que fait n'importe moun qui prend dîme. L'Éternel rele moun nan même jantou, rele lion volé. Gardez Malachi chapitre 3, le verset 8. En nous tout li ensemble. Li dit qui ça? And get ready to put it in Creole also when you're done. En nous li en français. Qui ça le dit? Li dit qui ça? Un homme. Qui ça le dit? En nous li le fort. Qui ça le dit? Un homme. Trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Et puis il répond, il dit qui ça? Dans les dîmes et les offrandes. Et puis qui ça le dit encore? Next verse. Et vous, vous êtes frappés d'une malédiction. Vous me trompez la nation tout entière. Gardez même verset ça en créole. Gardez qui ça le dit? Il dit qui ça? Moi-même m'a demandé nous. Est-ce que yon moun kon trompe bon Dieu? Il dit non. Hein? Mais c'est trompé ou ap trompe bon Dieu. Nan ki sa? Qui j'aime trompe li? Et puis il répond, qui ça? Nan question la dim nan? I put it in English. You see how it says in English? Il dit, will a man rob God? Rob means to steal. Le yon moun pren revolver et puis pren kobo moun yore le lion robber. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas comme ça? Est-ce que ça va, chers amis? Et le yon moun commet yon vol, yon moun kap mache volé. Soudainement, yon malédiction kap suive li. Donc, message matin, le gen bonne nouvelle, le gen mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que le yon moun pa présenté dîme li à l'Éternel, la Bible le lion volé. Et la Bible dit comme ça,
volait sa âme, li gon malédiction qui suive li. Mettez verset 9 encore. Gon malédiction qui suive li. Li dit comme ça, vous êtes frappé d'une malédiction. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Frappé d'une malédiction. Maintenant, malédiction ça comment li manifester? Plus tard, Libral dit nous comment que malédiction ça manifester dans verset 10. Regardez comment malédiction ça manifester. En nous lit ensemble, il dit qui ça? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, etc. dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et puis, regardez verset 11. Si je n'enverrai pas la nourriture en abondance. Et puis, dans le prochain verset, il dit pour vous, verset 11. Mais comment malédiction manifestée? Regardez qui ça dit. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dit. Ok. L'Éternel vous dit. Vous, parce qu'on pas honoré avec dimou, vous êtes frappé d'une malédiction. Et puis plus bas, il dit souvin honoré avec dimou, ça veut dire m'a menacé pour vous celui qui dévore. Puisqu'on pas honoré m'a une malédiction, mais sous honoré m'a menacé celui qui dévore. Ça veut dire malédiction comment le manifester? Li manifester par celui qui dévore. Est-ce que on avec moi non? C'est parce que l'on pas honoré avec dimou. Li vin ouvè yon pot pour l'autre nèg là parce que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Li dit l'or pas honoré avec dimou, soudainement pot la vin ouvè pour nèg qui remet détruire pour le rentrer et puis pour le détruire. Est-ce que l'église commence à m'a dire là? Maintenant pas me dire bagage chers amis. Et quelquefois, bon ça. En business, moun qui étudie business, yo gon concept yo rele en business, the cost of opportunity. Cost of opportunity signifie qui ça? Cost of opportunity signifie que en nous dit m'bral fon business et puis yo mande pour me louer kala pour $1,000. Oh, mais ça me dit $1,000. Wow, $1,000 pas moi. Wow, ça sont pas que de l'argent, ça sont pas que de l'argent. Je ne peux pas dépenser l'argent ça. Cependant, donc je trouve le 3 pour me dépenser. Cependant, si je mettais $1,000 pour me louer business là, je ne peux pas rentrer $10,000 par mois. Donc, en business, il y a une analyse que vous faites. Vous avez analysé. Il faut regarder pour vous. Il y a quelquefois gros bagage qui semblait un sacrifice. Mais ce n'est pas seulement le prix qu'on va payer pour prendre en considération. Ou doit prendre en considération le prix qu'on va payer sous rater l'opportunité à tout. Combien la poteau? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ce n'est pas seulement le prix qu'on va payer. C'est pour sous pas faire ça et prix pas faire là, combien la poteau? Donc, dans le cas ça, si je suis un business, je suis capable de payer $1,000 par mois, mais le cas de moins $10,000 par mois, m'a payé $1,000 par mois, mais si m'allais si avec m'a payé $1,000 par mois, si m'pas allé avec m'a perdu $9,000 par mois, ça veut dire opportunité m'a raté ya, qui beaucoup plus que l'argent me semblait m'a bail là qui semblait qu'en pile là. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Maintenant m'a dit même bagay là dans transaction avec bon Dieu, prends le coût de la désobéissance en considération. Ou capable de penser obéissance coûte cher. Oh boy. Mais désobéissance coûte beaucoup plus cher. Oh, ma preuve prend encore, oui. Ou capable de penser l'obéissance coûte cher. Mais désobéissance coûte beaucoup plus cher. On nous dit je travaille et puis me fait $1,000. Ça l'Éternel dit ma bonne opportunité, ma bonne grâce, ma bonne etc., ma bonne force, ma bonne intelligence pour capable travailler, pour capable produire et même leur pas travailler, ma bonne faveur pour moun penser avant etc. Excepté seul deal moi gagne avec n'importe ça qui rentrer songer 10% c'est pour moins que lié. C'est pas 10% va ban moins souvelé, c'est 10% que qui appartient à moi m'a mettel sous
akauntou wa fin potel nan temps moins pour moi. Est-ce que là qu'est-ce qu'on m'a dit là hein? Mettel sou akauntou mais pas pour vous. Wa vin potel la caille moins pour moi. Et ça veut dire apporter à la maison. Donc il dit wa vin potel la caille moins pour moi. Donc c'est même gens avec yon melmen. On nous dit yon melmen qui gagnait yon moun kap yon melmen et puis kap déposer kap délivrer lettre. OK, la travail dans poste office a délivré lettre. On nous dit comme ça, l'a délivré lettre là et puis il gon enveloppe la mail, enveloppe la gon chèque $1,000. $1,000 ça, si melmen n'a pas arrêté, li ouvert enveloppe là. Li joine un gens le cache chèque li mettait dans poche. Comment après les melmen là? Parce que même si chèque là dans mail, chèque là pas pour lui. Chèque là c'est pour le délivrer yon côté. Et s'il prend sa délivré, automatiquement le voler. C'est même gens tout moi-même avec l'Éternel dit comme ça, mais qui ça me va le faire? Ou travail gagner 10% que loi travail gagner 10% gagner 90% qui pour vous, gagner 10% qui pour moi, même mettre le sous account tout, mais l'offre de l'église ou déposer pour moi. Est-ce que qu'est-ce qu'on m'a dit là? Ça veut dire avec 10 mots ou seulement yon melmen pour l'Éternel. C'est pas mandé la mandé s'il pour moi souvle ban moi. Li dit li appartenir avec li sou akaon tout, li dit l'ordre de l'église ou a songer déposer pour moi. Maintenant du moment me prend soudainement vinn classifier comme yon volé. Est-ce que on comprend ça m'a dit là? Maintenant qui prix ça gagne? Prix ça gagne, c'est que la Bible dit que ça vinn bail yon malédiction. Li vinn ouvrir porte celui qui dévore. Donc, bon, me réfléchir avec pour un moment. On nous dit comme ça que nous travaillons, chèque moins $1,000. L'Éternel dit comme ça, dans $1,000 qui gagne, songez $900 c'est pour vous. Bon force, bon intelligence, bon opportunité, etc. $900 pour vous, $100 pour moi. Et puis, quand y a moi-même, moi senti que extra $100, ça c'est pas de l'autre bagaille. L'été capable de faire. Me senti pour m'obéir pour me bailler $100 ça, me senti obéissance de $100 ça, me senti obéissance là coûte me cher. Me senti en pile parce que moi tellement l'autre bagage m'ka faire $100 là. Me désobéi. Mais ça me pas rendre moins compte c'est que obéissance ça coûte me $100. Mais l'homme désobéi. Kounyam ou fait pas pour celui qui devant entrer. Et le celui qui devant entrer, ce n'est pas $100 seulement le dévorer. Est-ce que l'église commence à me dire? Il dévore $100, mais celui qui dévore là, puisque Satan, il ne vient que pour égorger, dérober et détruire, il n'est pas seulement venu détruire $100, il vient détruire toute la 90 qu'il a tout. Et puis c'est gado gade, et pour que nous ne pas jamais faire connexion. C'est gado gade, ou gado oué, ou fou coule. Et puis yon dit pour yon faire $20,000. C'est gado oué, accident fait. Et pourtant, pour acheter l'autre machine, $7,000. C'est gado oué, gros problème l'hôpital. Et pour pas de assurance. Et pour gado oué, l'hôpital voyons bill $50,000 bas ou pour deux jours l'hôpital. C'est gado oué, yon vol bagay crédit. Yon fait vol d'identité. Et puis yon vin yon prenon, yon bon, yon. On bille $80,000 sous dos et puis on marche, on descend, etc. Et puis toute qualité bagaille a venu pour $100 ça qui pas respecté. Donc chers amis, sous penser obéissance coûte cher. Pensez pour combien désobéissance coûte. Parce que désobéissance bail accès à celui qui dévore. Faut-il descendre tout petit, il va accès à celui qui dévore. Et puis, quelquefois, bagasse, ou qui doit passer, ou qui doit pas même faire connexion en même. Et puis, c'est cadeau, dévorer, c'est cadeau, et pour travailler, et pour pas jamais, car où est son réglé. Parce que dans l'invisible, il y a celui qui dévore. Même déclaré matin que bon Dieu a pété toute chaîne. Tout celui qui dévore, qui a dévoré, c'est pour bon Dieu, et ange, pour dévorer celui qui dévore. Combien de monde qui d'accord à ça, sous d'accord, ça dit gloire. Chers amis, ce n'est pas obéissance qui coûte cher, attendez.
C'est pas obéissance qui coûte cher. C'est désobéissance qui coûte cher. Nous t'en disons, hein? C'est pas obéissance qui coûte cher. Ça coûte cher là, c'est désobéissance. C'est là où commencer. C'est là dans désobéissance. Et pour garder toute qualité de bagarre privée, il coûte cher, il coûte très très cher. Donc, mauvaise nouvelle là, parce que j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle, ma bonne mauvaise là avant. Est-ce que vous d'accord avec ça? Et puis ma bonne bonne en après. Donc, première mauvaise nouvelle, c'est que, alors, la dîme numéro un, appartenir à l'Éternel, première mauvaise nouvelle là, c'est que, moun qui pas observé, la Bible dit soudainement, moun sa son volé. Moun sa volé, li trompé bon Dieu. Li volé bon Dieu. That person robs God. Deuxième mauvaise nouvelle qui gagne, c'est en nous dit qu'on y a moi-même moins bail, dis-moi, même pas tellement consistant. De temps en temps, l'aime go emergency, m'gon bagay, m'prête dîme nan pour m'régler un bagay. Bon, sous prête dîme nan pour m'régler un bagay, l'Éternel paraît le monde ça exactement yon volé, mais l'Éternel dit comme ça que n'importe le roi la banque pour prêter, l'on va payer avec intérêt. Donc l'Éternel dit, pas de problème, pas de problème. Ok, vous avez un problème, vous avez une emergency, vous avez prêté comme dit. Non. Kounia, regardez l'autre verset, dans verset Lévitique 27, verset 30, en nous lit verset 30 là, après nous finissons 31. Dans verset 30, il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, il dit, appartenira à qui est-ce? À qui est-ce? À qui est-ce? Il dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc c'est pour moi lié. Maintenant, comme c'est pour moi lié, en cas qu'on t'a vu prêter le pas porter l'autre à lui porter là, il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, pas de problème. Il y ajoutera un cinquième. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Put it in Creole as well. Parce que ça est français lié. Damien, ouais, comme en créole là, comme vous dites créole, pas les créoles, comprenez? Put it in créole as well. Ok, Lévitique 27, verset 31. Verset 31. On nous lit ensemble qui ça? Hein? Ok, yon moun qui vle qui ça? Acheter pour lui-même qui choy nan 10 là. Nan 10. Pour ça la valeur. Ah, il n'y a pas marqué. Yon moun qui voulait acheter pour lui, même qui choy là, l'an 10 là, pour ça la valeur. Bon, créole, ça réussit pour moi. Bon, là, m'a prêté à français parce que là, c'est créole parler, français comprendre. Ok, c'est créole parler, français comprendre. Mais la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça que moun ça, là va ajouter un cinquième. Donc l'Éternel, rien pour lui dire qu'on s'assouprend dans ça qui appartient à moi. Maintenant, on va ajouter un cinquième. Ça, c'est mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Combien de monde qui veut entendre des bonnes nouvelles? Le monde qui veut entendre des bonnes nouvelles, là, dit gloire. Bonne nouvelle, là, c'est que si. Bonne nouvelle, là, c'est que si pas respecter la dîme, mener yon malédiction, respecter la dîme, mener yon, respecter la dîme, mener bénédiction. Donc c'est ça que Felbral dit, honorer avec dîme et offrande, lui dit, et voir si m'a pas béni ou si m'a pas prouvé les écluses des cieux. Nan notre gade là, rapidement, il y a trois types de bénédiction que la dîme beauté. Trois types de bénédiction que la dîme beauté. Prends note là. Numéro 1. La dîme a poté la caillou bénédiction sur une base et puis même moi régulière. Dit régulière. La poté bénédiction son base régulière. On nous dit régulière. On nous lit Genèse chapitre 15, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. On nous tout lit ensemble.
Qui ça le dit? Il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, etc., etc. Il dit, on nous dit, en ce jour-là, dis ça plus fort, dis en ce jour-là, dis fort encore, en ce jour-là, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Maintenant, n'importe quoi qu'on lit dans la Bible, et pour regarder où elle dit après ces choses, ou bien elle dit en ce jour-là, ou bien elle dit soudainement, ou bien elle dit le même moment. De pour un type de phrase ça, il faut toujours aller histoire précédente pour qu'on ait ça qui est passé. Parce que quel que soit ça qu'on lit, c'est conséquence d'un bagage qui est passé. Est-ce que vous avez même? Puisque elle te dit en ce jour-là, faut aller dans Genèse chapitre 15, faut aller dans Genèse chapitre 14 pour moi qui s'est passé avant qui fait bon Dieu décider bénir Abraham en ce jour-là. Dans Genèse chapitre 14 qui ça nous est Abraham te gon neveu qui te relé l'eau. La Bible dit qu'on ça te gon coalition de rois qui te vienne attaquer Sodome avec Gomorrhe et yo te prend l'eau et puis yo te mené captif. Le Abraham dans des nouvelles là, il prend 318 de ses serviteurs et puis il courit. Eh bien Abraham avec quelques employés, attendez oui, Abraham avec quelques employés que il t'a gagné goumé avec une coalition l'armée de 10 pays mettez ensemble Abraham avec 2-3 employés, 318 employés calé la coalition l'armée de 10 pays. Kounya l'elka les coalitions l'armée de 10 pays, il y a ce qu'on appelle les butins de guerre. Butins de guerre qui s'allient, c'est toute bagaille que soldat quitté. Les a couru, il a perdu la guerre, il a couru. Gagné qui quitté l'argent, gagné qui quitté l'or, gagné qui quitté diamant, gagné qui quitté rat, gagné qui quitté toute qualité de bagaille, tout mieux mettez tout mettez dehors pour qu'à sauver la vie. Gagné moun qui mourit, qui mourit avec l'or, diamant sur tout bagage cher, yo tire les bagages au butin de guerre. Donc voilà Abraham fin de la guerre là. Et puis il gagne un butin de guerre de 10 pays. Et puis la Bible dit que ça, monsieur Abvini, ça veut dire Abraham chargé, la coulé bas. Et puis la Bible dit que ça, pendant la tournée, comme ça, il rencontrait avec un personnage mystérieux, que y aurait les Melchisedec, que la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et puis il joint avec Melchisedec, la Bible dit Abraham présentait Melchisedec la dîme de tout. Présenter la dîme de tout. Et puis la Bible dit, l'œil fin présenté. Melchisedec la dîme de tout, Melchisedec longe et mêle, et le bénit Abraham. Ça c'est Genèse chapitre 14. Aussitôt, dans le dernier verset, dans le fin chapitre là, il dit le bénit Abraham. Dans le chapitre qui vient après, nous, l'Éternel, après Melchisedec fin béni Abraham, l'Éternel paraît devant Abraham. Et puis il dit, Abraham, je suis ton rémunérateur. Je suis ton rémunérateur. Ou comme ça, ça veut dire rémunérer, il signifie récompenser. L'Éternel parle de Abraham, il dit Abraham, c'est moi qui rémunérateur. En d'autres termes, Abraham, pour geste ou saut fait là, mon cap payo pour lui, c'est moi-même. Est-ce que l'église allait ça m'a dit, ah ben bon Dieu. L'Éternel dit Abraham, je suis, c'est moi qui payo. C'est moi qui payo. Dis-moi ce que tu présentes par Melchisedec là, c'est moi qui paye. Le monsieur dit, l'Éternel dit, je suis ton rémunérateur. Ah, Abraham dit, Seigneur, depuis des années, m'attend un petit. Non, mais on te fait une promesse, un petit. Ou pas, j'aime pas moi, mais c'est vieux Eliezer qui l'a, il est mort, mourir, et puis tout bien, c'est Eliezer, il va le jeune. Et puis la Bible dit, l'Éternel relève Abraham, il dit, Abraham, gardez l'étoile qui est dans le ciel là. Regardez, il dit, est-ce qu'on peut compter yo? Il dit, je ne peux pas compter yo. Il dit, c'est qu'on sa postérité au bail. Est-ce qu'on avait main? Et puis il dit, Abraham, il dit, oui, Seigneur. Il dit, gardez sa blâme. Il dit, est-ce qu'on peut compter yo? Il dit, je ne peux pas compter yo. Il dit, c'est qu'on sa postérité au bail. Et puis, Kounia, et puis, l'elfine fait ça. La Bible dit, l'Éternel jetait Abraham dans le profond sommeil. Et puis, il descend, il fait un sacrifice. Et puis il fait une alliance. La Bible dit, en ce jour-là, remettez-le sous verset encore, en ce jour-là,
La Bible dit que ça, l'Éternel qui sa fille alliance avec. Parlez fort avec moi. En ce jour-là, l'Éternel fit qui sa alliance avec. Et puis l'Éternel fait alliance avec Abraham. Il dit, je te donne. Hey, je te donne. Je donne à ta postérité. Je donne à ta postérité. Non seulement ma bonne, petite, tant que sable en mer, tant que étoile qui est dans le ciel là, mais petite, tu n'as pas bral traîner, tu n'as pas le pauvre. Il dit, je donne à ta postérité. Depuis le fleuve de l'Égypte, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Faut avoir géographie, ça veut dire ma bord depuis, moun qui gagne une idée de Moyen-Orient, Israël, ma bord depuis en bas, Égypte, cela veut dire sortir en Afrique, et puis ma benou rivé jusqu'à Euphrate, ça veut dire Irak, côté Saddam Hussein, ma baou depuis Afrique jusqu'à Iran, Irak, pas Iran, ma baou depuis Afrique jusqu'à Irak. Il dit tout petit tout va posséder terre ça yo. En d'autres termes, les messieurs fin faire sacrifice ça, l'Éternel bal deux bénédictions, li bal bénédiction humaine, ça veut dire ma bon petit qu'on pas ka compter et puis il dit ma bon bénédiction financière, ma bon terre, ma bon real estate, ma bon caille, ma bon land qu'on pas ka me en ce jour-là. Aïe. Déclarer c'est pour le ciel parler pour. Déclarer c'est pour le ciel parler pour. Déclarer dit mou présenter c'est pour yo parler pour. Dit mou présenter c'est pour yo parler pour. Dit devant l'Éternel c'est pour yo parler. Sous d'accord ça dit gloire. Maintenant même moi m'attire attention pour lui. La Bible dit en ce jour-là pour l'Éternel qui a rassuré Abraham, il fit alliance. Ou comme ça le mot alliance signifie. Alliance signifie contrat. C'est ça le mot alliance signifie. Une alliance, c'est un contrat formel. Alliance signifie contrat formel. Le yon moun a marié, yon dit qu'on s'en font alliance devant mon Dieu, devant famille, devant la société. Alliance, ça c'est qui s'allie. Yon contrat, parce que yon contrat qui s'allie. Ça veut dire, yon contrat son bagage qui stipule obligation et privilège tout le monde. N'a pas entré dans une relation. Ou a fait tel bagaille, moi-même a fait tel bagaille, et mais qui longue durée contrat. La 1 an, la 3 ans, la 5 ans, etc. Si vous avez un contrat caille, est-ce qu'on avait même? Si vous avez un contrat caille, ou a fait l'un l'autre, la fait tel bagaille, tenet la fait tel bagaille, nous toutes des responsabilités nous, et puis mais qui va le temps, n'a pas des responsabilités nous. L'on a marié avec un monde, et bien homme n'a des responsabilités lui, et puis femme n'a des responsabilités lui, et puis alliance ça, il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que l'église commence à me dire là? Est-ce qu'on avait même? Son alliance liée. Le mariage, c'est une alliance. Ça veut dire un contrat formel devant tout le monde. Ce jour-là, l'Éternel descend, il fait alliance. Maintenant, suivez bien, chers amis. Gain deux gens, l'Éternel qui a béni. Combien me dit? Dis-moi encore. Combien qui ça? Gain deux gens, l'Éternel qui a béni. L'Éternel qui a béni par miséricorde ou bien lui qui a béni par alliance. Ma preuve prend encore oui. On dit l'Éternel qui a béni deux gens. Lui qui a béni qui ça part? Dis-moi encore, lui qui a béni qui ça part? Ou bien qui a béni par? Ça veut dire. Ça veut dire que par miséricorde signifie que ou non situation et puis miséricorde signifie ou non situation et puis gon moun ki kon problème ou kèl fè le mal et puis le font bagay. C'est ça que ça veut dire par miséricorde. La réalité est que bénédiction par miséricorde même chrétien qui va jambe dîner. Li gen doit qui pas même dans l'église même. Li gen doit pas même à vivre une vie qui sanctifie. Li ka still recevoir yon bénédiction par miséricorde. Ah on go bagarre oui, m'dou là, m'a prendre. Mais chrétien, on chrétien gen doit pas jambe dim, li gen doit pas jambe offrande, li gen doit pas jambe tellement vivre l'église, li gen doit pas même vivre droit même. Li still bénéficier
de yon bénédiction ou bien quelques bénédictions par qui ça par d'ailleurs nous allons plus loin avant même moun ki pas converti joindre bénédiction par Jésus dit l'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. L'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. On nous dit yon moun athée, li pa kwè nan bon Dieu, li dit li pa vin l'église. Moun sa yo a perdu temps yo, l'ap joure, l'ap gaspiller temps. Moun sa au lieu de vin li décider pour servir loi, li décider pour vodouisant, li décider loi danser nan tête li etc. Li gade, li diabolique net. Même moun ki pi diabolique là, si l'al derrière la caille, li planté yon pied bois a pleuvé. Ou t'es samedi là? Même moun ki pi gros diable là. Si l'alder ka li plante un pied bois levé. Bon Dieu m'a dit ou trois idolâtres ou trois malfaiteurs, pas de soleil pour ou pas de la pluie pour. Les bon Dieu voye soleil avec la pluie pour toute petite li, même malfaiteur ça, a joindre dans soleil là et la joindre dans la pluie là. Ça relève qui ça? Misérie. Même moun ki inconverti joindre dans grâce mon Dieu. Yo ke doit pas connaître grâce mon Dieu. Yo ke doit pas admettre c'est grâce mon Dieu. Mais yo joindre dans grâce mon Dieu. Ça que les miséricorde. Mais moun k'ap marche avec bon Dieu. Gon l'autre dimension que le réserver pour petite li. Est-ce que n'avait main? Est-ce que n'avait main? Gon l'autre dimension le réserver pour petite li. Gon l'autre dimension le réserver pour moun k'ap marche avec elle. Gon l'autre dimension le réserver pour moun ki connaît, moun ki zanmi l tankou Abraham. Ça lui même lui relé alliance. On nous dit alliance. On nous dit alliance. On nous dit alliance. Gen moun ki béni par miséricorde. Gen moun ki béni par alliance. Maintenant, qui différence qui gen entre la miséricorde et l'alliance? Première différence entre la miséricorde et l'alliance, c'est la régularité. Dis-moi régularité. Non, dis-moi ça encore. Dis-moi régularité. Ça est la première différence qui gagne miséricorde et alliance. Donc, un bon bel exemple. On nous dit qu'on s'est marché dans la rue. Et puis, nous tombons sur un ancien ami. Et puis, nous parlons, mon cher, ça qui passe, comment y est, famille, où nous parlons, etc. Le bras aller. Et lui dit, ah, m'entendez au pasteur Kounia, oui, m'connais pasteur c'est moun qui servit bon Dieu, oui, m'connais pasteur c'est moun qui gagne, qui remè moun, oui, mon chè m'gon problème kay. M'gon problème kay, qui sont capables de faire pour moi? Eh bien, Kounia m'gè d'avini, m'pren boussouin, m'ralil, m'conte, ah, m'jouen $500, m'di mon chè, kebe $500 la moun, pour le capable de régler le mouvement kay là. Maintenant, est-ce que nous avons ça relève qui ça? Ça relève qui ça? Ça relève qui ça? M'ba obligé bali. Est-ce que nous avons si m'ba bali, est-ce que m'faut bagay ki mal? M'ba obligé bali. Ça fait ça parce que le raconte un problème ni, que m'fait mal, m'ba li. Ça relève qui ça? OK. Kounya moi prochain n'a marché et il arrive nous tomber bab pour bab encore. Ha! Et puis il dit, parce que mon cher, moi, merci pour sortir de moi de Nialte et de moi. Mais est-ce qu'on a le même problème là encore? Premier mois, il te dit, ça, c'était papa qui mourit. Moi, ça, il dit, c'est maman qui mourit. Je viens comme je fais mal, je viens me râler bouche moi, je viens l'autre $500 encore, je bats. Mais avancez encore. Moi prochain plus tard, je tombe bab pour bab sous les encore. Monsieur dit, ah mon cher, où sont hommes spéciaux, ou pas un monde, où sont anges. Et puis il dit, pas ta quoi ça? On dirait chaque temps que des problèmes ça va me rencontrer. Parce que même petit problème où on est dans deux mois qui sont passés, on a même problème là encore. Et puis il me dit, monsieur, vous avez le même problème, non? Ou quand ça passe, moi-même, pas le même problème, non?
monsieur qui doit venir bagarre me dit mon cher m'té do deux fois yo mais mon cher je dis a m'pa gagne m ka fè an yé m'pa ka fè même si m'pa ba est-ce que m'péché ça fait ça parce que c'est misérie le c'est miséricorde l'or bail ou bien le c'est miséricorde ou bail l'or vle ou bail l'or capable ou bail l'or content et sous pas bail pas grand gain reproche moun ka fè parce que c'est miséricorde. Cependant le entraînant alliance son l'autre cause. Le 13 juin 2003 moi-même dans New York, Long Island, New York, m'te fait alliance avec madame moi. Devant bon Dieu, devant famille, devant la société. Et yon nan bagagi en dans alliance là, en tant que mari, c'est pouvoir a besoin famille. Kounya nous nan mois de mars. On nous dit premier mois, pas de paraître. Li dit Greg mortgage la doui et etc. Mortgage arrivé. M'vini à m'ba un chèque m'di baby et déposer ça pour nous. OK moi. En février et li paraît et li dit mortgage la doui. Oh OK pas de problème. Mes chèques là et puis n'a payé. Mars là elle paraît, m'di oh ça passe là, son pied là j'aime gagner chaque mois vinn côté, ou va vinn mandé pour me payer mortgage. Est-ce que ça passé? Est-ce que la passé? Est-ce que la passé? Ça fait ça parce que c'est yon. L'orgue alliance fort kembe, l'orgue alliance fort régulier, l'orgue alliance fort paraître, l'orgue alliance fort faire devoir, l'orgue alliance est-ce qu'on avait mais ou pas qu'à morder une fois et pour pas morder on l'air ou pas arrêter on l'air ou pas arrêter on l'air et puis m'entendre l'Éternel dit garde kounya pour t'a tout converti de temps en temps bon petit bénédiction par miséricorde l'enfant 40 tout jeune bagarre la red m'garde moi par miséricorde mais l'Éternel dit qu'on l'autre dimension en moi qu'on l'autre dimension en relation avec moi m'pa vle la que yon bagay nan men on l'air comme ça besoin d'entrer dans alliance là et puis pour chaque semaine pour chaque mois pour chaque année pour chaque saison pour chaque problème et puis pour me paraître parce que c'est yon c'est ça que fait l'Éternel du gros mot dans Malachi non seulement dit sous honorer avec dim moi offrande il dit comme ça regardez. Lui dit comme ça, gardez pour essayer de menacer celui qui dévore. Et puis l'Éternel dit un gros mot que le pas dit en quel côté dans la Bible. Lui dit mettez mal l'épreuve. Ça veut dire bam yon examen. Gardez pour est-ce que m'pas fidèle. Parce que du rocher de Jacob, toute l'œuvre est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon Dieu, pas qu'on fait alliance pour le violer, alliance li. Bon Dieu, pas qu'on fait contrat pour le violer, contrat. Bon Dieu, pas fin dit oui et puis pour le virer, pour l'agir. Ah non, l'Éternel dit où t'es dans la dimension miséricorde là. De temps en temps, la bombe a gagné en main. Mais l'Éternel dit qu'on a besoin de monter dans l'autre dimension pour entrer dans la dimension de là. Oui. Il y a des gens qui passent servir bon Dieu capable de jouer en bénédiction. Mais les gens qui connectent avec bon Dieu, ils ne jouent pas miséricorde. Mais les gens qui connectent dans bon Dieu, ils sont bénis par alliance. Ils ont une régularité là. Ils ont une régularité là. L'homme qui a un problème, il peut apparaître devant mon Dieu. Est-ce qu'on avait main? Aïe. En d'autres termes, je ne suis pas béni par chance. Je suis droit à bénédiction. Lè m'ap prier c'est qu'on y a m'gè base pour m'prier. Lè m'ap jeûner m'gè base pour m'jeûner. Lè m'ap discuter, lè m'ap plaider avec l'Éternel, m'gè base pour m'plaider avec l'Éternel parce que nous font contrat, nous font alliance, gon obligation, gon disons. C'est est-ce qu'on entend ça m'a dit là? On nous dit ah! Bon Dieu voulait monter dans la dimension de l'alliance, gon régularité. Deuxième bagaille qui gagne, deuxième caractéristique de bénédiction. Que la dîme beauté, non seulement pour ton bénédiction, son base régulière, mais deuxièmement, ok, pour ton bénédiction régulière, deuxièmement, l'hypothèse, bénédiction abondante. Ouh. Oh, dis-moi encore, dis abondante. Aïe, aïe, aïe.
Ah, Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin de donner et donner la vie. En qui ça, en qui ça, en qui ça, en abondance. Et il y a une clé qui permet moi d'entrer en abondance que Jésus promet moi, c'est à travers la dîme. Gardez pour qui ça le dit encore dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. On nous lit ensemble. Mettez-la en français, s'il vous plaît. On nous lit ensemble. En nous allant comme, il dit qui ça? Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Avancez. Okay. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, comment la bénédiction, comment la bénédiction, la bénédiction en abord. De temps en temps, alléluia, alléluia, par miséricorde, de temps en temps, joigne quelque chose, ou joigne un bagage, bon problème, bon Dieu, voyons provision. Mais si vous voulez rentrer dans une dimension d'abondance, dans bon Dieu, une clé de l'abondance, c'est observer la dîme. Il dit, sous honorer avec dîme et offrande, gardez pour eux, si vous pouvez les écluses des cieux, si vous pouvez bénédiction en abondance. On retourne dans le même exemple encore. Même partenaire. N'après le monsieur Jackie. Si grand Jackie là, pas inquiète, c'est pas vous-même. On nous dit, marcher encore, me retourner, je jeune avec Jackie. L'homme de jeune avec Jackie, ça ne me pas dit, c'est que Jackie te dit comme ça que Kailia, loyer, c'était $1,200 par mois. L'homme ouvert, réalé bousse moins, m'gade m'joigne $500. Malgré monsieur dit loyal, c'était $1,200, m'réalé bousse moins, mon cher m'dit m'bagé grand chose, mais ça m'gagne kembe $500 nan men. Loyal monsieur, $1,200. Mais si m'vini m'ba monsieur $500, est-ce que m'péché? Est-ce que n'avait main? Yon zami m'tombe sous l'île dans la rue. Que m'a oué longtemps, il dit mon chèm, j'ai problème, loyer $1,200, etc. M'entre dans bouche moins, m'rale $500 m'bali. Est-ce que m'péché? Est-ce que lieu de $500 m'bali $300? Est-ce que m'péché? Et si m'ta même bal $100, m'dit mon chèm, pas grand chose, seul bagage m'gè $100, m'gè pas grand chose, mais la fond quand même, m'lage $100 l'amène. Est-ce que m'péché? Parce que c'est qui ça par? Parce que son bénédiction par? Par qui ça par? Par misère. Le roi béni par miséricorde, tout ça yola dans mon bon. Bénédiction par miséricorde, tout ça yola dans mon bon. Ça fait ça parce que pas aucune obligation. Cependant, on nous dit comme ça, Kounia, c'est dans le mariage, moi, mieux. Et puis, avec madame, moi, etc. Et puis, il vient de côté, et bien, pour moi, de mars, là, il dit, Greg, loyer à Doui, loyer arrivé, $1,200 loyer, pas oublié. Et puis, pour me t'apparaître de côté, pour me dire, baby, on ne connaît pas grand chose, mais on $100. Boubi, on ne peut pas ça, non, pas d'après. Ndal di pas oui baga mon $100 que mais qui ça c'est un obligat c'est un alliance signifie ou qu'on responsabilité est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là ça veut dire m'pa ka vinn paquet pour mal dire comme ça c'est $100 me gagner si manqué $1,100 c'est pour mal dégager pour me joindre ni bail est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là est-ce qu'on si m'a prend deuxième job prend deuxième job est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là si m'a prend job dans téléphone prend job dans téléphone si m'a vendre quelque bagage vendre quelque bagage si m'a éliminer mais faut me joindre ni parce que c'est un c'est une alliance. Parce que lorsqu'on a alliance, lorsqu'on a alliance, ou obligé rencontrer tout besoin. Et mon Dieu pourvoira à qui ça a. Parce que
que là dans la dimension de l'alliance, c'est pour un petit besoin ou bien partie dans besoin, c'est tout besoin. Et puis, m'bra l'on tige en loin avec, m'bra l'on tige en loin, monsieur, ne qui pas marié, yon ne doit pas comprendre ça, mais ne qui marié, yon comprendre ça. Ou qu'on est là, madame, dans une côte, et puis tout comme ça, gros besoin pour 1000 dollars, sous intelligent, ou pas bral bal 1000 dollars, ou pas ajoutons l'autre 100 dollars extra, on 200 dollars, on 300 dollars. Ou ajoutons un petit bagage parce qu'on n'a pas qu'à seulement rencontrer besoin, faut aller au-delà de besoin. Est-ce qu'on t'a dit? Et puis là, qu'on s'en dit, je suis content parce que je fais alliance avant ça. Ou respecter alliance, ou qu'on alliance. Et puis, je t'ai dit, l'éternel a dit, tu m'induis ma tête, dit David. Et ma coupe, pour pas seulement rencontrer besoin. L'entrée dans la dimension de l'alliance, et ma coupe, qui compte pas de cette eau encore soif, mais celui qui boira de l'eau qui j'aurai n'aura jamais soif. Et gloire vient dans l'ion sous de. Lors d'une alliance, gain abondance. Pas gain abondance dans miséricorde. De temps en temps, on joue nos bagailles. Mais dans miséricorde, ou qu'a un problème, que bon Dieu fait le mal pour vous, il a un bagaille dans même. Mais pas gain consistance là-dedans, ni pas gain abondance là-dedans. Consistance vient à travers alliance. Abondance rivée à travers alliance. Et je vais aller plus loin avec vous. Lors rentrer dans la dimension alliance, non seulement il y a abondance, mais tout ça, l'autre l'a possédé. Nous sommes en alliance avec elle. Tout ça le possédé. Les mariés avec madame, moi, c'est pas seulement 1200 dollars par mois à gagné. Puisque le marié avec la réalité est que tout ça me gagne appartenir à lui-même. Car là, c'est pour lui. Est-ce qu'on t'a dit ça, Matou là? Machine, c'est pour lui. Livre, c'est pour lui. Rat, c'est pour lui. Quel que soit ça me gagne, terrain, quel que soit ça me gagne, tout pour lui. Ça que fait ça gagne, hein? Lorsqu'on entre en alliance avec mon Dieu, me tendez, mon Dieu dit, les cieux et la terre appartiennent à l'éternel des armées. Ça veut dire, l'on alliance avec mon Dieu, quel que soit quoi, tout aller. C'est ça que fait, le monde qui est en alliance avec mon Dieu, il n'y a pas peur. Si mon Dieu voit à Haïti, mon Dieu voit à Paris, mon Dieu voit à Guadeloupe, il n'y a pas peur. Parce qu'on connaît alliance, les cieux et la terre appartiennent à l'éternel, quel que soit quoi, t'es mieux. Il y a même dit qu'il y a récession, il y a même dit pas de travail, il y a même dit qu'on s'en profite, ça c'est à faire garder. Mais quel que soit quoi, t'es mal, ma prospérer, à faire ma marché, parce que c'est un cherchez toi mon bala, mais dis, faut entrer dans la dimension ça. Ça relève la dimension de l'alliance. Pas de problème avec miséricorde, non, mais pas de problème avec miséricorde. Mais faut qu'à quitter miséricorde là-dedans pour entrer dans la dimension alliance là. Ou que trop grâce va perdre, ou que trop bénédiction va perdre, ou que trop niveau va perdre. Est-ce qu'on entend ça partout là? Que trop bagarre cap gaspiller, faut pour la dimension là. La dimension de l'alliance. Troisième. Bénédiction que la dîme beauté. Premièrement, nous dit bénédiction régulière. Deuxièmement, nous dit bénédiction abondante. Ou troisième bénédiction fort, net lui-même. La dîme l'a observé l'hypothèse bénédiction générationnelle. On nous dit générationnelle. Dis ça, Bifor, dis générationnelle. Dis générationnelle. Regardez Hébreux chapitre 7, le verset 7. Hébreux chapitre 7, le verset 7. En nous lit ensemble, il dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Qui ça la Bible a dit là? La Bible dit comme ça que Abraham
te payé la dîme à Melchisédek là. Songez, l'œil te payé la dîme à Melchisédek là, Abraham pot ko gagné yon grain petite. Abraham pot ko gagné petite, le présenter la dîme à Melchisédek, li pot ko gagné petite, li pot ko gagné l'enfant promis que l'Éternel te promet li a. Donc la Bible dit malgré le pot ko gagné petite, l'œil payer la dîme, Abraham c'était papa Isaac, Isaac c'était papa Jacob, Jacob c'était papa des 12 tribus, parmi les 12 tribus où t'es gagné Lévi. Est-ce que ça va? Nous reprenons là. Nous dit Abraham c'était papa Isaac, Isaac c'était papa Jacob, Jacob t'es papa les 12 tribus, parmi les 12 tribus où t'es gagné Lévi. Donc la Bible dit jour monsieur tombé sous Melchisédek. Et puis il baille Melchisédek, la dîme de tout. Et puis Melchisédek bénit. La Bible dit chou le paye la dîme pour Melchisédek là. Isaac qui était en dedans que le pot qu'on fait, il paye la dîme pour Isaac. Et Jacob qui t'a pris une petite Isaac plus tard, il paye la dîme pour lui. Et 12 tribus qui t'abral sorti dans Jacob là, inclus Lévi, li paye la dîme pour tout. Abraham, c'était grand-grand-père. C'était grand-grand-père Lévi. Mais la Bible dit comme ça, Lévi vint béni à cause de dîme que monsieur te paye. Ça veut dire, jour monsieur paye dîme à Melchisédek, Melchisédek bénit. Gon bénédiction qui entre sous lui, c'est pas seulement lui-même que bénédiction enjoigne, bénédiction enjoigne Isaac, lui joigne Jacob et puis il joigne Lévi. Ça veut dire lorsque moi-même avec nous honorer bon Dieu avec dîme nous, c'est pas seulement nous-mêmes qui béni, petite nous béni, petite nous béni, petite nous béni. Plus grand investissement ou qu'a fait dans la vie petite tout. Pi grand bien ou qu'a fait dans la vie petit tout, petit tout, petit tout, c'est honorer l'Éternel avec dix mots. Gen moun qui fait college funds pour petit yo, pour yo ka voye petit yo dans un bon collège demain, c'est bien, c'est pas une mauvaise idée. Gen moun qui fait acheter caille pour petit yo, c'est pas une mauvaise idée. Gen moun qui fait économie sous petit yo, c'est pas une mauvaise idée. Mais qui t'aime tout quoi ça plus grand trésor ou ka bay petit tout, c'est le ou honorer bon Dieu avec la dîme pour lui et puis pas doit présenter honorer bon Dieu avec la dîme ou dit Seigneur, moi m'en donne non seulement pour bénir petit moi, pour bénir petit moi, c'est pour me sortir j'en t'a dit hier soir, c'est pour race moi yon race béni parce que n'a servi au nom de Jésus. Lévi ça, attendez oui, Lévi ça, Abraham te baye la dîme pour lui. C'est Lévi qui bral ba nous Moïse. Parce que Moïse te sorti dans la tribu Lévi. Moïse qui bral fond la mer rouge, qui bral parler avec bon Dieu face à face, il est sorti dans la tribu Lévi. Araon, qui te représente, qui te gagne chance pour l'entrée dans la tabernacle, la servir bon Dieu, sorti dans la tribu Lévi. Tout sacrificateur que te gagne, sorti dans la tribu Lévi. Jérémie, sorti dans la tribu Lévi. Ézéchiel, sorti dans la tribu Lévi. Et m'te kabon yon liste homme de Dieu qui sorti dans la tribu ça. Le monsieur paye la dîme, non? Li paye pour toute génération yo. Et toute qualité de bénédiction tombe sous tribu yo. En particulier Lévi, à cause de dîme ça que te présenté. Le yon, et remarquez que, remarquez que, Abraham te ba la dîme. Li te bayon bagay matériel. Mais bénédiction Lévi te joine nan son bénédiction spirituelle. Ah, suivez-moi bien, oui, suivez-moi bien là, suivez-moi bien. Abraham te bay la dîme qui yon bagay matériel. Mais Lévi qui ça te joine, c'était le sacerdoce. Moïse qui est cité, yon prophète de l'Éternel qui te parlé avec l'Éternel face à face, le lap sorti sous montagne là, visage li tellement rayonné que personne pa ka kanpe gade l. Ce qui ça me fait comprendre, ça veut dire l'on honore bon Dieu avec dix mots, c'est pas bénédiction matérielle seulement le côté. Aïe aïe aïe. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? L'on honore bon Dieu avec la dix mots, c'est pas bénédiction matérielle seulement le côté. Li déclenche bénédiction spirituelle. De toutes sortes. Yes. Jésus dit comme ça,
yon moun ki pa fidèle avec maman, comment bon Dieu a fait confier de vraies richesses? Faut camper. Jésus dit, yon moun ki pa fidèle avec maman, ça veut dire l'argent matériel là, comment bon Dieu a fait confier de vraies richesses? Les vraies richesses sont les richesses spirituelles et éternelles. Et là, Jésus dit, yon nan jan bon Dieu a connu, est-ce que le cabot veut gérer de vraies richesses? C'est est-ce qu'on a géré richesse matérielle? Ça veut dire, la dîme, ce n'est pas seulement un impact matériel qu'il fait. Sous Abraham, il te fait un impact matériel. Bon Dieu te balle toute qualité de terre. Depuis Irak, juste arrivé en Afrique, en Égypte. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais tu as un aspect qui est beaucoup plus que ça. Donc, je dis, nous encourager tout le monde pour rentrer dans la dimension de l'alliance. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dis la dimension de l'alliance. Dis-moi ça, Bifo. Dis la dimension de l'alliance. Dis la dimension de l'alliance. Est-ce qu'on voulait bon Dieu bénir par miséricorde ou bien vous voulez le bénir par alliance? Est-ce qu'on voulait le bénir petit ou ligné familial ou? Est-ce qu'on voulait le faire par miséricorde ou bien le faire par alliance? L'Éternel te fait alliance avec David. Il fait alliance avec David. Et il dit, Ali, David, puisqu'on fait qu'elle est content, je dis, elle me fait alliance avec lui. Il dit, même le petit tout à fait rébellion contre moi, m'a calé, mais grâce moi, pas que je me sorte. Parce que c'est alliance, moi, Gabo. Leur entrée dans la dimension de l'alliance. Sur l'autre dimension. Je me dédie dans le deuxième service là. Tabernacle de gloire, pas qu'à béni. Si ou même ou pas béni. Est-ce que vous d'accord avec? Pour tabernacle de gloire béni, faut ou même ou béni. Pour ou même ou béni, faut montrer qui ça vous fait pour béni. Est-ce que vous d'accord avec ça, madame là? Pour béni, faut montrer ça vous fait pour béni. Faut montrer les principes bibliques pour béni. C'est ça que fait matin la map challenge tout le monde qui l'a. Sou poko commencer fonctionner dans dimension alliance ça. M'a pas courage pour fonctionner là-dedans. M'bra le prier mais avant de prier. M'bra demander aux choses pour venir apporter enveloppe bon moment prier. Et puis n'a passé chaque monde qui l'a, chaque monde qui l'a. Prend une enveloppe de dîme. Que on va travailler, qu'on va travailler. Prend enveloppe de dîme. Dîme, c'est pas une question de travail, c'est une question de revenu. Et c'est une question de foi. Chaque monde prend une enveloppe dîme. Monde qui a tout capable, ou bien deviné avec dîme, ou bien tout capable de présenter dîme matin. Monde qui n'a pas de habitude de présenter dîme, etc. Ou pas de connaître que 10% pas pour vous, ça veut dire que tu fais budget sous tout 100%. Mais matin, on va apprendre que ce n'est pas tout 100% pour vous. C'est 90% qui pour vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de réajuster le budget là pour vous faire sous 90%. Et vous allez même plus loin avec ou pas même de faire sous 90%. Parce que vous avez 10% qui t'a dû aller dans le saving. Est-ce qu'on a dit ça, m'a dit là? Hein? Un chrétien supposé vivre sous 80% de salaire. Là. 10% à l'éternel, 10% économie. Pour demain et 80% pour différentes dépenses ou rien pour faire. Donc matin peut-être que mon qui a besoin réajuster mon qui a présenté dimanche tout présenté matin mon qui beaucoup fait ça ou a réajusté ou jeudi à 17 m'a bail tout le monde qui l'a jusqu'à n'a bail jusqu'à 14 avril le premier dimanche lundi dimanche matin que nous allons commencer Easter. Nous t'arrêmes avant Easter commencer. 7 nuits de combat que nous allons faire. Avant de rentrer dans 7 nuits de combat. Pour qu'on mette en ordre avec l'Éternel. Pour l'Éternel craser tête celui qui dévore pour. Est-ce qu'on est d'accord avec là? Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Avant d'entrer dans 7 nuits de combat. Nous t'arrêmes tout le monde régulariser avec l'Éternel dans le domaine de la dîme.
et puis pour l'Éternel craser tête celui qui dévore pour au nom de Jésus de Nazareth. Ushers, come, let me pray over this et puis nous allons passer enveloppe yo. Pour moun kap gade m, kap tande m à travers radio ou bien kap gade m dans télévision, si ou appartenir à yon l'église, dis-moi supposé à l'église locale, l'église côté ou aller, l'église côté ou adorer le dimanche, c'est la dîme supposé aller. Pas Radio Shekina. Par contre, ou ka toujours présenté une offrande à Radio Shekina, ou ka pa bon santenir à Radio Shekina, pas de problème. Mais dîme à l'église. Excepté si ou non zone côté ou pas à l'église pour raison pour l'autre ou pas gain l'église près ou bien en période de transition ou pas gain église, c'est tabernacle de gloire que ou connecté avec elle, c'est avec ministère ça qu'on suive, c'est là où béni régulièrement. Et bien à ce moment ou capable présenter dimon en radio télé Shekina ou capable relayer ou capable bail par application si ou pas gain l'église locale que ou connecté avec elle. Ceci étant dit, on prie tout le monde longer maintenant dans direction ça. Ça. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, même pour tes enveloppes ça yo, devant vous, qui sanctifie à vous-même. Nous demandons pardon pour chaque fois que nous te prenons dîmes, pour chaque fois que nous te manquons discipline dans domaine ça. Nous demandons à partir d'aujourd'hui, fais-nous plus discipliner dans domaine ça, fais-nous respecter. Nous pas te connaît Seigneur toute qualité de bénédiction que nous raté. Bénédiction régulière, bénédiction abondante, bénédiction générationnelle. Nous pas qu'à passer outre toute bénédiction ça. Donc aidez-nous pour nos fidèles. Nous disons au nom de Jésus de Nazareth.